devenu, je vais te le dire. Tout cela était immoral dans la forme. Tu te compromettais avec ce jeune homme. Je me suis débarrassé de lui. Et comment? Je l'ai changé en serre. Et pour sauver ta réputation, ma chaste Diane, j'ai répandu le bruit parmi les faibles mortels que c'était à ta demande que j'avais désorganisé à Chéron. J'ai dit que tu avais trouvé sa curiosité indiscrète. Mais non! Je l'ai dit pour l'honneur de la mythologie. Corbleu, mes enfants, les faibles mortels ont l'œil sur nous. Sauvons les apparences, tout est là. Vous les sauvez bien, vous? Oh, est-ce qu'il a encore fait quelques nouvelles escapades? Mais non, ma bonne chance. Les cancans, de purs cancans, c'est les journalistes qui font courir des bruits sur moi pour me déconsidérer. Du tout, hein. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Monstre, va! Dis-le-moi si tu le sais. Madame de la Rizière ne veut pas de scène devant le monde. Il y a un temps pour tout. Laissez-moi m'occuper des affaires intérieures de l'honnête. Je reçois des plaintes de tous côtés. Tenez. Mars! Mars! Présent. Noble fils de Bellone, ton dossier s'est enrichi d'une plainte de Vulcain qui présente... Ce n'est pas vrai. Comme elle l'a bien dit. Que ce soit vrai, que ce ne le soit pas, chaste Vénus, cela m'est égal en principe. Mais je vous en prie, mes enfants, de ma tenue, j'en ai 100 ans, vous le perdez par vos inconséquences. Oh, quel tyran. Où est le petit? Ah. Eh bien, le voilà qui fait la cour à Hébé maintenant. Et puis... L'ambroisie va brûler pendant ce temps-là. Je te déclare, toi, gamin, que si tu continues, nous nous fâcherons. Oh, quel si! Oh, Jupiter, t'as non, va. Pourtant, si tu m'as donné des ailes, c'est pour pas te juger, non? Oh, si je t'ai donné des ailes, c'est pour être zélé. Et tu es toujours en retard. À quelle heure es-tu rentré? Va commencer, je te mets au pain et à l'eau pendant 8 jours et je te consigne. Allons! Que chacun aille à sa besogne. En attendant de savourer le nectar et l'ambroisie. Et que personne ne mange pour déjeuner. Allez, j'ai entendu des rumeurs. Il y a plusieurs fois que je m'aperçois. Et dis donc, maman, est-ce que tu crois que ça peut durer comme ça encore longtemps? Ils nous ennuient trop. Moi d'abord, je vais dépirer, moi ici. Ah, cette tolette plutôt avec son nez placable à jus. Et si nous nous révoltions? Ah, j'ai une idée. Nous refuserons. Qu'est-ce qu'on invente dans ce coin-là? On ne m'a donc pas entendu? On a du mal à amener ces gaillards-là. Et si ce n'était que ça, il faut encore que j'aie la jalousie de ma tendre épouse qui ne sait pas. Bon, hein, pour elle, quel grand. C'est toi, ma bonne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je ne peux plus vivre ainsi et que l'existence que vous me faites... Qu'est-ce que j'ai encore fait, voyons? Ah, n'essaie pas de me tromper, hein. Les bruits de la terre montent jusqu'à moi. Mais encore. Eh bien... Il n'est bruit là-bas que de la disparition d'une mortelle, belle comme une déesse, et qui vient d'être enlevée par un dieu. Cette femme s'appelle Eurydice. Le dieu, c'est vous! Moi? Mais quel autre que vous n'est osé! Moi, mon ami, vous entraîne ton aveugle passion. Cet enlèvement, je le connais comme toi. Oh, je le crois. Mes soupçons se portent sur quelqu'un, et nous allons bientôt savoir... Cela. J'ai envoyé au renseignement mon fidèle Mercure. Et si mes soupçons sont fondés, tu verras bientôt qu'un dieu qui punit, comme j'entends le faire, les escapades des autres dieux, doit être le mari le plus fidèle, le plus constant. Oh, je ne vous crois plus, gros hypocrite. Vous m'avez tant de fois trompé. Alors bon, comme tu voudras. Changeons le chapeautement des ailes de Mercure. Écoute et juge-moi. Salut au puissant maître des dieux et de la terre. Pas de phrase. On fait. Rends compte de ta mission. Je reviens en droite ligne des enfers. Et Pluton y régnait-il dans toute sa gloire? Il n'était pas Pluton qui régnait, c'était une grande gaieté. Il s'amuse joliment là-bas et j'ai vraiment passé quelques moments agréables. Ouais, Pluton. Et Pluton. Pluton était sorti. Le matin? Depuis 15 jours. Ah, mais si, il avait découché. Probablement. Et tu ne l'as pas vu? Si fait, il est rentré aux enfers il y a une heure. Ah, écoute ça, pomme d'amour. Et d'où venait-il? De la terre. Seul? Seul, non pas, mais avec une jolie petite femme qui venait enlever à son mari. Et cette femme a pour nom? Eurydice. Là, je ne la lui fais pas dire. Oh, ça fait plaisir. Ça fait tout le monde.
pas venir? À l'instant, je lui ai dit que vous attendiez. Eh bien, je vais le traiter comme il le mérite. Laissez-moi le recevoir. Oh, je ne me trompe pas, dit Ernest. Son domicile agréable. J'ai justement une vieille tirade que j'ai lue quelque part. Ah, avec quelle volupté je m'enivre des suaves émanations de cette atmosphère douce et vivifiante de l'Olympe. Heureuse divinité qui frolâtrait sans cesse sous des cieux toujours bleus. Tandis que je suis condamné au sombre cloaque du royaume infernal. Ici, l'on respire une odeur de déesse et de nymphe, une suave odeur de myrte, de verveine, de nectar et d'ambroisie. On entend le roucoulement des colombes, la chanson d'Apollon et la lyre de Lesbos. Voici les nymphes, voici les muses, les grâces ne sont pas loin. Vous les verrez danser, calmes et bondissantes, aux douces clartés de la lune d'avril. Ah, et bien maintenant... Tous les parfums sont déchaînés. C'est que... Et les parfums de la nuit. J'aurais... Et les parfums du jour. Quelque chose... Et les parfums du ciel. À dire... Et les parfums des grâces. Mais... Et les parfums des muses. Bah, ah, mais... Et les parfums des nymphes. Tu viens tout fini avec ta parfumerie. Eh bien, on n'en dira jamais assez sur votre bonheur. Notre bonheur? Tu fais semblant, toi, de croire que notre bonheur se trouve près des nymphes et des grâces. Ce n'est pas mon avis à moi. Il paraît que je ne suis pas d'une nature nymphatique. Mais laissons cela! Prête-moi une oreille attentive. Roi des enfers, c'est moi qui vous appelle. Il paraît, mon bonhomme, que tu t'es conduit comme le dernier des drôles. Oh, je suis fort. Que tu mènes une existence de pacha. Et qu'est-ce que c'est, gamin, que tu traînes avec toi? Ah, mes trois petits tigres avec mon déjeuner. Le nantard qui me suit toujours. Une bouteille de vieux vin de Chypre. Une hure de sanglier. Et un flacon d'essence de feu. Vin de Chypre, une hure. Sommes éternellement condamnés au nectar et à l'ambroisie. Et c'est là ta nourriture habituelle? Oui. Oh, je n'aime pas les choses fades. Il me faut du piment. Beaucoup de piment. Oh. Oui, oui. Mais ça, tu es le plus heureux des dieux. Moi, Seigneur, heureux? Oui, toi, depuis un jour, que fais-tu? J'habite le sombre cloaque de l'enfer. L'on n'y respire pas comme ici une odeur de déesse. Pas du tout. Tu habites une cabane dans les environs de Thèbes. Hein? Et tu as abusé de ton pouvoir en enlevant par la mort une épouse à son époux. Moi, Seigneur? Ne dis pas. Je sais tout. C'est pas vrai. Silence! Quand je parle, on se tait. Je ne suis pas habitué à la discussion. Devant moi, tout tremble. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Ça ne m'a pas l'air de cri d'obéissance ni de cri d'enthousiasme, cela. Ah.